What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. On arrive dans un programme EMOM très important. On arrive dans le programme avec du curl bar. D'accord? Alors, pour ce programme-là, nous allons prendre une barre EZ. Tu peux prendre une barre droite aussi. On va se faire, hop, du curl comme on a l'habitude de faire. 10 tours, EMOM tranquillement. Tu peux prendre soit une barre droite, soit une barre EZ comme moi. D'accord? C'est pareil. C'est juste que cette barre-là. Et stresse moins au niveau des poignets. Et moi, j'ai les poignets fragiles, d'accord? Donc, on est bien à ce niveau-là. J'aurais juste préféré me mettre dans cet angle-là parce que mon bras, il est beaucoup mieux, beaucoup plus tracé. Mais bon, c'est pas grave. Pour des raisons professionnelles et techniques, on va se mettre sous cet angle-là. Donc, prépare ta barre, prépare tout. On y va. Allez, c'est parti. On lance. On part dans 10 secondes. Et on fait les choses bien. 10 reps, d'accord? 10 reps, pas plus. Et on est good. Allez. 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Alors, tu me connais. Tu sais que je soulève lourd de base. Là, j'ai pas mis des charges lourdes, j'ai mis deux poids de 5, d'accord? Là-bas, je dois faire 8 kilos ou 10 kilos pour être tranquille, d'accord? Parce que je te tourne plein de programmes, je tourne plein de choses en même temps. Après, je vais à la salle, il me faut de la force, sachant que j'ai fait les deux programmes de dips qui sont sur ma chaîne ici. Ça veut dire que là, c'est le troisième programme que j'enchaîne. Sachant que ce programme-là, eh ben, tu vois, on fait le curl là, d'accord? Mais après, on fait du curl serré après. Encore notre programme, oui. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça, c'est le truc que je faisais beaucoup quand je commençais ma séance, mais je prenais 1 minute de repos. Je prenais 1 minute complète de repos. Parfois 1 minute 30 de repos. Mais là, c'est la première fois que je fais ce programme en EMOM. Et je sais que si j'avais mis des poids de 10, au bout de la troisième, ça m'aurait fait mal. Parce que là, ton biceps, elle a vraiment pas trop le temps de récupérer. Et tu le bosses sous tension. D'accord? Donc, franchement, ça fait du bien. Allons, on part bientôt dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'ai pas précisé, hein. Et pardon, je précise des trucs au milieu. Pas obligé d'aller vite, d'accord? Là, tu es avec des poids, on n'est pas là pour travailler l'explosivité et tout, on est là pour bosser à la fois, hop, ton volume musculaire, ta condition physique et un peu ta résistance, d'accord? Donc prends ton temps, prends pas trop ton temps non plus, mais si tu parles à mon rythme, ça va, d'accord? Ou un tout petit peu plus lent, ça va, mais pas des trucs vite où tu vas te faire mal au dos, ça sert à rien, ok? On part bientôt. Dans 10 secondes, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Ouh. Ça va, on commence à être bien. On est au tour 4, tranquillement. Moi, ça va, je commence un peu à congestionner légèrement. Je sens que ça chauffe. Mais ça va. Parce que ma charge est relativement légère. Ok? Donc, reste focus, reste concentré. Ça va bien le faire. Ça va très bien se passer. Là, tout à l'heure, j'allais à la salle. Je vais tester le Alpha Pre-Workout. D'accord? Je ne sais pas quelle séance je vais te faire. Soit une séance bras, soit une séance dos. Soit les deux. Et je vais tester le Alpha Pre-Workout pour faire un truc de fou. C'est important.
Allez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Ok. Pour l'instant, je suis bien pour l'instant. Pour l'instant, je suis bien. On va savoir de l'eau. Ça sèche vite, ça. Ça va bien se passer. Ça va à 14h05, normalement. J'irai à la salle vers les coups de 15-16h. Il n'y aura pas beaucoup de gens. Si tout va bien. Comme ça, on pourra se filmer à la salle. Parce que oui, aller à la salle pour se filmer, c'est mon train de vie maintenant. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9 et 10. Là, on est bien là, on est très très bien. Je pense que je vais encore faire, tu vois, les vidéos sur ma chaîne, enfin, c'est plus pour les anciens. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent et merci pour ça. J'avais fait une vidéo pour montrer vos évolutions, que ce soit suite à mes programmes ou suite à vos entraînements à vous. Et je trouve ça important d'en parler afin de motiver plusieurs personnes. Parce qu'on n'a pas tous la même morphologie, pas tous la même génétique. Il y en a, ils ont une morphologie comme la mienne, une génétique comme la mienne. D'autres, comme d'autres personnes que je montre. Tu vois, et je trouve ça important qu'on puisse s'identifier, voir à quel point on peut évoluer et à quel point on peut progresser. C'est important. 3, 2, 1, on repart. Et oui, ça va vite. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, très bien. Très bien, très bien, on est bien. Ouais, je vais voir c'est comment. Je vais voir. Ça peut être intéressant, ça peut être bien, ça peut faire du beau contenu. Peut-être à partir de la rentrée et tout. Parce que là, j'ai beaucoup de projets pour août. Ça va passer vite le mois d'août, mais je veux qu'il y ait beaucoup de vidéos pour ce mois d'août. Et ouais, je vais voir ça, ça peut être intéressant. Faut que tu me dises dans les commentaires, enfin, si tu arrives à s'étendre ce programme dans la vidéo. Mais j'en parlais dans d'autres programmes. Mais je vais voir. Si dans les commentaires ça en parle beaucoup, je vais refaire. Allez, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, 7, 8, 9 et 10. Ok. On a 8. On est bien. On est tranquille, c'est les bras, ça va. Ça commence à faire mal, c'est que ça fait du bien. Et on est pratiquement à la fin, d'accord? Donc c'est ce qu'il faut, d'accord? C'est ce qu'il faut. Ça, c'est des petits programmes qui vont t'aider, si tu veux. Qui vont t'aider à avoir la résistance. Hop, comme j'ai dit, la masse, casser du fibre, te faire du mal, t'apprendre à te faire mal. Comme dans ma vidéo où je t'ai dit là, 7 conseils pour progresser, il faut que tu apprennes à te faire mal, c'est important. Allez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, allez, 9 et 10. Et dire qu'après j'ai la prise serrée à faire. Ah, c'est incroyable. Allez. Ouh. Il nous reste un peu plus de 30 secondes. Ça va. Tu vois, c'est tranquille. Ça passe vite, hein, tu vois. Plus t'as mal, plus ça passe vite. Et ça, c'est bien. Ça, ça fait du bien. C'est important. Là, on est ensemble, d'accord? J'ai une charge légère, mais on est ensemble, ok? Faut faire les choses bien. C'est parce qu'après, on fait la prise serrée. Et si t'es chaud, après, bah, tu me suis dans l'autre vidéo... En prise serrée,
D'accord? Comme ça, là, tu vas partager ma douleur, c'est important. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, je viens de penser à un programme là. Pareil, mais prise normale, après prise serrée. Enfin, prise normale 10, repos, prise serrée 10, prise normale, prise... Là, ça va faire mal. D'accord? Mais c'est bon, c'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il nous faut. Il faut qu'on progresse. Ou alors 10 normal, 10 serré. Mais là, c'est un autre niveau. D'accord? C'est vraiment un autre niveau. Ça fait mal, mais on va voir, on va voir. De toute façon, soit je fais tout de suite, soit on verra. Allez, 10, 9, 8, 7, c'est la dernière, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Donc voilà pour ce programme. J'espère que tu as pu kiffer. J'espère que ça t'a donné des bonnes sensations. Je te cache pas, pendant cette séance, j'ai eu plein d'idées de programme. De bras encore. Avec cette barre-là, là. On va faire la prise serrée, on va faire des trucs cool. Mais ça, je te laisse ça pour la suite. De toute façon, tu as pu entendre dans la vidéo que c'était bien, que j'ai kiffé. J'espère que tu as pu kiffer aussi. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. C'est important, d'accord, pour l'évolution de la chaîne. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. N'oublie pas, tu as des compléments alimentaires à prendre et tout. Mais tu as le code DAM sur MyProtein, d'accord. Ça, c'est bien. C'est important. Il faut le faire. Et tu as mon lien. Donc, tu prends mon lien, tu vas sur MyProtein, tu prends mon code sur MyProtein. Et tu es bien, et je suis bien, et tout le monde est content. Ok. Donc, moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine. Pour la suite.